Le jour de l'an de 2001, selon le calendrier lunaire, au terrain de séchage du village des Neuf Ruisseaux de la ville d'Anshun, province du Guizhou, la préparation d'un grand spectacle battait son plein. Selon la coutume, le jour de la fête du printemps est le septième jour du septième mois, selon le calendrier lunaire. On doit organiser un spectacle de l'opéra d'ici dans tous les villages Trunbu. Jouer à l'opéra d'ici signifie vénérer la terre. Avant le spectacle, on doit d'abord rendre hommage aux ancêtres. Après, c'est le rituel d'ouverture des malles. Les habitants locaux nous apprennent qu'il s'agit de la danse Tiaoshen. Tiaoshen signifie vénérer la divinité. Depuis que les ancêtres s'installèrent ici, on célèbre toujours cette cérémonie. Elle a une histoire d'au moins 600 ans. Qu'est-ce qui est caché derrière ce spectacle local, considéré comme un fossile vivant de l'art théâtral de Chine? Yao Xiaoying est connue à Anshun comme experte de la culture populaire Trunbu. Pour explorer la vie migratoire de 600 ans des habitants de Trunbu, elle a fait des va-et-vient entre Nanjing et le Guizhou. Durant 20 ans, elle a visité la quasi-totalité des villages Trunbu au fin fond des montagnes et a découvert beaucoup de secrets méconnus du monde extérieur. Chaque fois qu'elle visite le village de Tianlongbu, Yao Xiaoying vient contempler cette stèle érigée par des visiteurs de Nanjing. À l'époque, après avoir lu le livre de Yao sur Trunbu, des habitants de Nanjing sont venus au village Tianlongbu à la recherche des traces de leurs ancêtres. Quand ils sont arrivés au village, qui leur semblait familier, ils ont fondu en larmes. Yao Xiaoying dit qu'ils ont trouvé la preuve de l'affinité à Trunbu. Il y a 600 ans, sur l'ordre de Zhu Yuanzhang, empereur fondateur de l'Empire des Ming, 200 000 soldats partirent en expédition au Guizhou. Mais personne n'aurait imaginé qu'eux-mêmes et leurs descendants s'y enracineraient. Ils préservèrent les coutumes du pays natal. Même leurs maisons furent construites dans la tradition du sud du Yangtze. 600 ans se sont écoulés. Les habitants de Trunbu vivent ici de génération en génération et leur village dans les montagnes du Guizhou ressemble bien à ceux du sud du Yangtze. Au village de Trunbu, le tofu frit reste encore aujourd'hui l'aliment favori des habitants. Ce mets s'est transmis de génération en génération. Le village de Tianlong, qui signifie dragon céleste, jadis appelé Fanlongbu, fut une halte où les messagers militaires entre Anshun et Pingba sous les Ming se reposèrent. Selon la vieille dame du salon de thé, ses ancêtres de plusieurs générations travaillèrent au salon de thé. En période creuse, la vieille dame aime confectionner des chaussures brodées de femmes de Trunbu. Au village Trunbu, la parure vestimentaire des femmes n'a pas changé depuis le XIVe siècle. C'est pour cela que les gens de l'extérieur estiment que ces femmes sont d'une ethnie minoritaire. Cette robe à amples manches, dite robe Han de Fangyang, est très facile à confectionner. Un simple coup de ciseau suffit. Quand on leur demande pourquoi elles aiment porter ce type de robe, elles répondent que c'est le modèle du pays natal Fangyang, de l'ancêtre Zhu Yuanzhang. Nous sommes originaires de l'Anhui et nous devons évidemment le porter. Ok.
跟着他的东西，那年代容易不合适，容易会有什么不一样啊？不一样就是早，不是那个，我带棉布的就，织了和那都包上这个，都挽这个结，就把这个结挽上，把这个腰带系上。以前不是很穷嘛，买不起这个了，那个要结婚的时间才有了。现在都是自己织的棉布，现在是料子了。 现在是料子，现在是。那我看这个后边是什么样子？后面腰带嘛。这个腰带是一直就有是吧？一直都有。就是要结婚，结婚都有了。结婚的时候有。有啊，怎样穷他的鸡，他的鸡媳妇嘛，他都想办法，他都要弄一颗腰带。 Avant de se marier, les filles de Trunbu tissent la natte unique, sans porter d'autres parures. Mais le jour du mariage, leur coiffure change. On les aide à faire leur toilette et on développe leur tête à l'aide d'un large foulard, tandis que les cheveux sont roulés en chignon à l'arrière, lequel est protégé par un filet rond fixé à l'aide d'épingles. Yao Xiaoying dit que le chignon des femmes de Trunbu fait penser au Yangtze et au mont Wuling. Leurs ancêtres enjambèrent d'abord le Yangtze puis franchirent le mont Wuling pour défendre la frontière en garnison au fin fond du Guizhou. Le chignon de ces femmes leur donne une allure patriotique. Dans ces villages Trunbu, on peut voir partout cette robe Han de Fangyang et les chaussures brodées. Peut-être aujourd'hui au sud du Yangtze, personne ne sait à quoi ressemble la robe Han de Fangyang. Mais les femmes de Trunbu, au fin fond des montagnes, portent les habits de leurs ancêtres jusqu'à ce jour. Pour les femmes de Trunbu, quand la nouvelle mariée rejoint son mari, les belles familles lui offrent une nouvelle ceinture. Le tissage de ceinture est la spécialité du village Bao Trun. C'est l'ancêtre Bao Datien de la 11e génération des Bao qui ramena cet art artisanal du pays natal de l'Anhui il y a 280 ans. Cet art ne se transmet qu'aux garçons, jamais aux filles. On n'a jamais cessé de tisser des ceintures chez les Bao depuis 280 ans. 整个贵州在穿这种服装的人呢，都是这个，就是这个存在会自己啊，其他村镇的那家是哪家是哪个会穿，那根本不会。所以方言、陕北的方言、陕北的地方，都那需要这个腰带，那叫来办？现在的随着社会的发展呢，已经进化到呢，有部分的人呢，他穿这种短衣服啊。在过去时候呢，全部穿这种长衣服的时候。 À partir de 2000, Yao Xiaoying a commencé à étudier les conditions de vie des habitants de Trunbu. Elle a remarqué que sous les Ming, les garnisons étaient gérées directement par la cour impériale, alors que l'administration locale n'avait pas le droit d'intervenir. Dans un environnement militaire fermé, les gens défendaient la frontière, cultivaient les champs, épousaient des femmes et faisaient des enfants. Ils ont gardé leur accent, leurs coutumes. Les habitants de Trunbu ont appris à Yao que tout peut être changé sauf les coutumes, les pratiques et les règles ancestrales. Si cela était changé, ils ne seraient plus des habitants de Trunbu. Oui. 这个是娘家给您送的镯子。哎，哎呦，我送的镯子多得很。啊，我阿哈子我们不洗腰的，没呀。哦，没有呢。您嫁过来的时候穿的是这种衣服吗？哎，嫁过来是穿这种衣服，就是穿这种衣服，打草鞋。阿哈子我们这打草鞋，走花鞋，走花鞋。啊，有花鞋啊？啊，我就我提醒你们看过。您给我拿个看看，我看看。 现在买什么领了？这个穿。哦。我们也从穿到老都是穿的这种。哦，就是从年轻一直穿到老。就是穿到老。从来不改。哎，那谁赢呢？啊。
La vieille dame explique que les filles qui grandissent au village commencent à broder des chaussures auprès de leur mère dès l'âge de raison. Les femmes de Trunbu aux chaussures à tête du phénix n'ont pas l'habitude de bander leurs pieds. La confection de chaussures brodées est très soigneuse. La semelle est en tissu. Le bout est relevé. Les empeignes sont brodées de fleurs, d'oiseaux, de poissons et d'insectes. Deux couches de tissu blanc formant la tige sont contiguës aux empeignes. Avant de marier la fille, la famille prépare des dizaines de paires de chaussures brodées comme dot. Pourquoi les femmes de Trunbu adorent-elles tant ces chaussures brodées?那个凤头的绣花鞋是马皇后穿的，那是有身份的标志。然后来到这个地方呢，他本身的空间没有任何改变。像我们去的石板房街，那么些人考到黄埔军校去了，要穿中山装了吧？他回到家乡的时候，还是要穿那种对襟衣服。因为屯布人来的时候，为什么两个村之间，你们家是这个村，我家在这个村，我们都是屯布人，说话的口音。 Quoique les villages Trunbu aient le style architectural du sud du Yangtze, il n'y a cependant pas de grande famille unique dans ces villages comme le cas dans le village du sud du Yangtze. Ce kiosque des quatre cires fut érigé par les habitants locaux en hommage à leurs ancêtres immigrés au Guizhou. La stèle retrace le parcours des quatre ancêtres partis de Nanjing pour l'expédition au Guizhou. Et les quatre grandes familles, Zheng, Shen, Chen et Zhang, du village de Tianlongbu, furent les premiers immigrés d'il y a 600 ans. Dans ce village, nous avons découvert à notre grande surprise l'ancienne demeure de Shen Wansan, célèbre marchand sous la dynastie Ming. Selon les villageois, le grand marchand, Shen Wansan, était un membre de leur famille. À l'époque, il fut exilé au Yunnan. Mais il se réfugia dans ce village. De quand date sa maison? Les habitants locaux n'ont pas une opinion unanime. Cette maison ne comporte que trois petites pièces. Est-ce ici que le grand marchand, Shen Wansan, vécut une dizaine d'années? Nous sommes sceptiques. Ou le style architectural, cette maison ressemble en effet à celle du sud du Yangtze. Comparée à la résidence des Shen, du fameux village des Zhou, il y a en effet quelques similitudes. Seulement, pourquoi Shen Wansan choisit-il à l'époque de vivre au village Trunbu, au fin fond des montagnes du Guizhou? Hu四年，朱元璋把陈万山发配到云南，重新到云南。当时平坝这个地方是属于云南和湖广两个省的交界地方。 Les habitants de Trunbu disent qu'ils ignorent combien d'années Shen Wansan vécut au village. Mais ils sont certains qu'il fut leur ancêtre. Le commerce au village Tianlongbu ne fut lancé qu'après l'arrivée de Shen Wansan. À son apogée, le village comptait une trentaine de banques privées et l'orfèvrerie a une histoire de plusieurs centaines d'années. En outre, la majorité des œuvres sont vendues au Yunnan. Le lien le plus représentatif est l'opéra d'ici, un opéra local. Venu avec les troupes en garnison, l'opéra d'ici, au fil des ans, fut le pont entre différents villages Trunbu et leurs habitants. Dans ces villages, quand une troupe de d'ici vient donner un spectacle, les habitants invitent tous les membres de la famille paternelle à jouir du spectacle. Ça s'appelle bonheur pour les tantes paternelles. Le but est de rendre la famille heureuse. À la différence d'autres opéras, les acteurs de ce théâtre portent des masques sculptés en bois qui sont vivifiants sous différentes expressions. Ces masques s'avèrent très exagérés du point de vue d'expression. Ils sont assemblés au casque et donnent l'impression splendide. Selon les personnes âgées, ces accessoires théâtraux coûtent très cher. Ce
第一十年就没有哪个国家有，只有中国有。中国呢只有贵州有，贵州呢只有安顺有。这套刀具啊是不容易啊，200小头水牛啊，才能够200条猪才能够值得好你的一生。那个时候老百姓贫下中农就不容易，只好这么一套东西。一般来讲是要最起码是中农，当然也懂得文化，那还通过培养。你在比方说我家我给手机一下了，什么事都不用我干了，什么事都不用我干了，家事外事农活不管什么事都不用我干，我只要我要求我老老实实这个挑好事。Peut-être pour raison de la vie militaire pendant longtemps, la culture et les coutumes se présentent dans la plupart des cas sous forme organisée. On dit que sous le règne Honghu, quand ils virent d'autres groupes ethniques locaux boire, chanter et danser, les premiers résidents de Trunbu, originaires de la capitale, trouvèrent leur vie monotone et furent nostalgiques du pays natal. Aussi notèrent-ils, de mémoire, les chansons qu'ils avaient jadis apprises et commencèrent à les chantonner pour se distraire. Petit à petit, les chansons populaires firent leur apparition. Selon les habitants de Trunbu, il faut trouver un endroit gracieux pour chanter les chansons populaires. Cette scène dans la rue céleste du village Yunshan Trun fut construite à cet effet et seules les chansons populaires peuvent être chantées ici. Trunbu 人认为这是一个龙脉的所在地，所以呢，屯铺的地戏啊，在这个地方是不允许跳的。地戏的打锣会惊动神，会惊动龙脉。Aujourd'hui, la scène pour le gala des chansons populaires a été transférée il y a longtemps dans un autre théâtre qui est plus grand. Mais cette scène sculptée reste l'orgueil des habitants. Elle représente leur nostalgie pour le pays natal situé à un millier de kilomètres. Selon les habitants locaux, une fois qu'on est monté sur la scène, on a l'impression de retrouver ses racines. Les coutumes originales, la longue histoire, l'art antique, l'environnement d'existence unique, tout cela forme une culture unique qu'est la culture Trunbu. La vague d'immigration au Guizhou, survenue au XIVe siècle, fut la première du genre dans l'histoire du Guizhou. Ces immigrés, installés au fin fond des montagnes, ne purent pas imaginer que leur sédentarisation avec leur famille a réussi non seulement à consolider le contrôle de cette région stratégique par l'Empire, mais leur dure vie au Guizhou transforma aussi, inconsciemment, la culture, les us et coutumes de la région. En 2001, des archéologues ont découvert au mont Tiantai un passage secret, d'où la révélation d'un secret qui est resté inconnu pendant 600 ans. Just there. 因为这个是个古石，它经历很多战乱年代，战乱年代随时有各种危险发生，它也是以防万一的。能进去看看吗？可以。可以进去看看。这里边很狭窄是吧？很狭窄，但是可以用的，它必须要到山顶去了。要到山顶上。Une fois entrés dans la grotte, nous remarquons qu'il y fait très humide. Selon Zhou Guangzhe, historien qui est en notre compagnie, à l'époque, des bandits s'attaquaient souvent au temple. Le supérieur du temple réussissait à se sauver grâce à ce passage secret. De sa chambre au sommet, il descendait dans le passage et courait jusqu'au pied de la montagne. Une heure plus tard, nous sommes enfin sortis de la grotte. Quand nous ouvrons la porte de la salle du supérieur du temple, ce que nous voyons nous déçoit. La salle du supérieur du temple a disparu il y a longtemps. Il y a un temple.
Les temples hérités de la dynastie Ming sont innombrables dans les montagnes d'Anshun. À partir de 1382, année où les armées commencèrent à camper ici, l'empereur fondateur Zhu Yuanzhang ordonna de construire bon nombre de temples à Anshun pour essayer de stabiliser le moral des troupes à l'aide du culte et de la doctrine des rites. Les temples préservés jusqu'à ce jour datent pour la majorité d'entre eux de cette époque-là. Le temple Tiantai fut construit pendant 20 ans à l'époque avec des artisans convoqués du sud du Yangtze. Il est dans le style du sud du Yangtze. La construction du temple permit aux soldats en garnison dans les montagnes de trouver un refuge pour l'esprit. Au temps fort, le temple Tiantai était très fréquenté. Selon la légende, Wu Sangui, célèbre général des Ming, visita aussi ce temple à l'époque lors de son inspection à la frontière. La culture transmise de génération en génération permet aux habitants de Tunbu dans les fins fonds des montagnes d'avoir un refuge pour l'esprit. Ce temple est dédié au Sire Wang, dieu protecteur le plus vénéré des habitants locaux. Le Sire Wang a vécu sous la dynastie Sui. En tant qu'autorité locale de la préfecture de Shexian, province de l'Anhui, il fut administrateur rigoureux et aima bien son peuple, d'où sa grande popularité. De nos jours, le rituel du Sire Wang reste une grande manifestation populaire au sud du Yangtze, entre la fin du printemps et le début de l'été. Mais cette coutume fut aussi reprise au village Tunbu avec l'établissement des immigrés au plateau du Guizhou. Chaque année, le 8e jour au 1er mois, selon le calendrier lunaire, on porte Sire Wang et les habitants de Tunbu des environs affluent au temple pour prier pour lui. À l'issue de la cérémonie, les habitants de Tunbu se réunissent pour un repas de famille. Tous les habitants de Tunbu ont droit au repas gratuit. Au village Tunbu, si une famille a un événement important, tous les villageois viennent à son aide. Dans ces villages, peu importe le nom de famille qu'on a, tout le monde est de la même famille. Un repas de famille est imprégné de la nostalgie du pays natal et de l'affinité les uns pour les autres. Il permet aussi à la culture très ancienne des immigrés de trouver un fondement dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, l'opéra d'ici de Tunbu n'est plus, et ce depuis longtemps, qu'un théâtre de campagne à jouer uniquement à l'occasion de la fête du printemps ou le 7e jour du 7e mois. Sorti du Guizhou, il est monté sur la scène internationale. Il est joué aux États-Unis et au Japon. À chaque fois, la salle est pleine. Cependant, selon les habitants de Tunbu, peu importe l'assistance chaleureuse, nous nous sentons mieux à l'aise que quand nous jouons sur notre scène chez nous, car cela est notre vie et aussi la racine de notre opéra. C'est peut-être cette conviction qui fait que cet opéra d'ici, vieux de 600 ans, reste toujours vivant. Putuoshan et Laka sont deux îlots de l'archipel de Zhoushan, séparés par la mer et situés l'un en face de l'autre dans la province du Zhejiang. La partie de la mer entre Putuoshan et Laka
porte le joli nom de Océan de la Fleur de Lotus. Chaque midi, lors de la marée, des vaguelettes ondulent sur l'océan de la Fleur de Lotus et ressemblent à une mer de fleurs de lotus qui danse au gré de la brise. Lorsqu'on observe de loin de l'est du Putuoshan, Laka, ce dernier semble être couché sur la mer comme un Bouddha. Putalaka est un mot sanskrit qui, une fois transcrit en chinois, devient Putuolotia, qui signifie une belle petite fleur blanche. Selon le sutra bouddhiste, c'est un endroit situé dans le sud de l'océan Indien où prêche Avalokitsevara, un des nombreux bodhisattvas. Un siècle avant Jésus-Christ, le bodhisattva ou principal Bouddha était au centre des croyances des habitants de l'Inde. Avec le déclin du bouddhisme dans ce pays, 4 siècles plus tard, ce bodhisattva et le lieu appelé Potalaka, situé quelque part dans la vaste mer du Sud, ont disparu de la mémoire collective. Au 4e siècle après Jésus-Christ, à l'époque de la dynastie des Tsin de l'Est, le culte de bodhisattva s'est répandu avec la diffusion du bouddhisme dans la région de Joshan, sur la côte est de la Chine. Située dans la région de Joshan, l'île de Putuoshan s'appelait auparavant la colline Meizhan. C'était un endroit où les pêcheurs avaient vécu depuis les temps immémoriaux. Ils craignaient les tragédies en mer, et Avalokiteshvara, rempli de bienveillance, assistait ceux qui souffraient. C'est pourquoi ces pêcheurs le vénéraient. Aux yeux des pêcheurs, les vues mystiques de l'île, qui changeaient tout le temps, étaient assez similaires à la description qu'en avait faite Potalaka dans les sutras bouddhistes. De plus en plus de gens ont cru que c'était le Potalaka où Avalokiteshvara avait prêché. Au début, l'île de Putuoshan était considérée comme l'endroit sacré du bouddhisme simplement parce que la topographie et l'environnement étaient assez similaires à l'endroit où le bodhisattva avait prêché, comme les décrivent les sutras bouddhistes. Mais pour transformer le site d'une secte religieuse primitive en un site bouddhiste universellement reconnu, il fallait quelque chose d'autre pour que cette croyance se diffuse. C'était la célèbre route de la soie maritime. Au 8e siècle, la route maritime qui menait du sud du fleuve Yangtze aux péninsules coréennes et japonaises s'est développée progressivement. C'est ainsi que furent transportées la soie et la porcelaine vers les pays asiatiques de l'Est. Cette route fut plus tard appelée la route de la soie des mers asiatiques de l'Est. Avec le développement de la route de la soie maritime, la foi bouddhiste s'est diffusée de la Chine aux péninsules coréennes et japonaises. L'île de Putuoshan est devenue un site bouddhiste d'une importance mondiale pour les rites, la terre sacrée internationale du bouddhisme.